Et bonjour, donc nous voici pour une petite routine qui nous a été pondue, enfin inventée par un jeune de notre association, il a 12 ans. Donc, il est jeune, il s'appelle Bogier Gauthier. Donc, j'espère que je n'ai pas écorché son nom de famille. Et donc il nous a pondu cette petite routine en se servant bien sûr d'une idée, d'un truc qu'il avait vu. Et comme il n'avait pas la routine en tête, ben, on va dire, on a un petit peu bossé dessus et moi j'ai fait un petit truc pour que tout s'enchaîne et qu'il puisse avoir une routine fluide et puis qu'il finisse clean aussi. Donc voilà. Allez, donc je me permets de faire donc la routine à sa place, bien évidemment, mais l'idée de base est de lui. Allez, je me mets debout parce que c'est plus simple pour moi. Donc avant de commencer, je vous montre, j'avais fait une petite prédiction. Alors c'est une prédiction que j'aurais pu sortir de, d'un porte-carte, de mon portefeuille, n'importe où. Une carte pliée en 4, bleue. Voilà, je vais la laisser là pour le moment. C'est une prédiction que j'ai fait par rapport à mon jeu de cartes qui est ici. Donc j'ai besoin d'un jeu de cartes. Hop, 52 cartes, toutes différentes. 53 puisque j'ai un joker, d'ailleurs il n'est pas complet. Et l'idée... Thierry, c'est tu vas m'aider. Je vais d'abord mélanger un petit peu les cartes et tu vas choisir une carte. Alors, je vais pas te faire choisir une carte en faisant stop comme ça, mais tu vas la choisir plus ou moins, on va dire visiblement. C'est-à-dire que visiblement, je vais les défiler et tu me dis stop. Ok ? Allez, c'est parti. Allez, stop. Stop, stop ici. Oui. 3 de carreau. Je laisse le 3 de carreau ici. Je vais couper mon jeu. Alors, t'imagines que j'avais fait une prédiction depuis le départ, donc forcément elle n'a pas changé. Tu as choisi une carte après, tu aurais pu me dire stop là, tu aurais pu me dire stop là, tu aurais pu me dire stop beaucoup plus loin, tu aurais pu me dire stop sur n'importe laquelle de toutes ces cartes là. Et ce qui est fou, c'est que la petite carte qui est ici, si on regarde, c'est exactement la même. Première prédiction. Okay, premier effet. Premier effet. Donc pour un public classique, c'est fort, pour les magiciens, bon. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin dans les faits, c'est si je laisse enfin, la carte bleue ici pliée, ma prédiction, on a vu que c'était bleu sur un jeu bleu, et du coup j'étais tellement sûr en fait que vous allez choisir le 3 de carreau, que j'avais fait quelque chose de différent. Je ne sais pas si je vous l'ai montré depuis le départ, mais c'est la seule carte rouge du jeu bleu. Enfin, quand je dis la seule carte rouge, c'est que ça c'est bleu, la carte est bleue aussi, mais les points sont rouges. C'est normal, c'est un 3 de carreau. Mais quand je dis qu'elle est réellement rouge, c'est que si on passe en fait la carte, les points rouges au contact de la carte bleue, comme ça, la prédiction et la carte vont changer également. On se retrouve maintenant avec mon 3 de carreau rouge et la carte choisie rouge aussi. C'est bizarre, hein? Oh oui, bon, vous allez me dire, oui, peut-être que c'est magique, on souffle dessus, mais on pourrait aller beaucoup plus loin aussi. Parce que vous vous rappelez de toutes les cartes qui, elles, étaient bleues. Si je mets maintenant la carte 3 de carreau en contact avec le jeu, c'est maintenant toutes les cartes qui passent de bleu à rouge, et toutes mes cartes changent. Toutes les cartes qui étaient bleues sont maintenant en rouge, et on peut même examiner, alors je sais que Thierry, tu es, voilà, mais toutes les cartes ont complètement changé de couleur. Alors on pourrait aller beaucoup plus loin dans cet effet aussi. Admettons que, Thierry, je vais te défiler comme ça les cartes, d'accord? Et, bah tiens, ou comme ça, et tu me dis stop sur n'importe laquelle des cartes. Le 6. Laquelle? 6 de pique, oui. Tu veux pas une autre? Bah, l'as de carreau, là. Ah, mais du coup, tu vas penser que j'étais influencé. Oui, alors 6 de pique. Donc, j'ai dit, tiens, prends la pose là. Alors, c'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai plus rien de. Ouais, j'ai plus rien de bleu. La carte... Ah, si, l'étui. Ce qui est fou, c'est que maintenant, tout le jeu est rouge. Par contre, si je prends une des cartes et que je frotte comme ça sur l'étui, la carte vient bleue. Bizarre, hein? Alors, on pourrait faire un truc un petit peu plus fort. C'est, imagine, bah tiens, je prends ça, tu vois, cette carte, et je la mets dans la même configuration que l'autre. Tu vois, je vais la plier en 2 et en 4, comme ça. Donc, on a exactement la même chose, tu vois. Là, ici, on a une carte rouge. Ici, on a une carte bleue. Suis bien. Carte rouge. D'accord? Carte bleue. Suis bien. Je prends la carte bleue.
Donc si ici j'ai la carte bleue, c'est que tu as compris qu'ici j'ai la rouge. Oui, mais par contre, si on touche comme ça, on se rend compte qu'en fait la bleue est ici et que la rouge était là. Bien. Ça va vite, hein? Regarde, je vais le refaire. Carte rouge, carte bleue. Je vais récupérer la carte bleue. Et en plus, cette carte bleue, regarde bien. Je la pose comme ça sur le point. Rien d'autre? Attention, regarde. 1, 2, 3. Maintenant, la carte rouge est sur le point. Si la carte rouge est sur le point, c'est que tu as compris qu'ici, il y a forcément la carte bleue. On va le refaire avec une seule carte parce que je vois qu'avec deux, c'est compliqué. Regarde. La bleue, la rouge. Si ici, j'ai la bleue, c'est que tu as compris qu'ici... Rouge. Non, la bleue, puisque la rouge est ici. On va le refaire avec... On va enlever ce coup-ci... Ben, la bleue. Tiens, regarde, la bleue, du bout des doigts. D'accord ? Je la mets dans la poche. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ici ? La rouge. Eh ben non, la bleue, puisque tu as compris que dans la poche, il me reste la rouge. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'une fois qu'on a fait cette routine, bien évidemment, le 6 de pique du spectateur et le 3 de carreau de votre prédiction, vous pouvez les donner à examiner et ils gardent ça en souvenir. Au moins, ils se rappelleront entièrement de la routine, des changements de couleurs, des passages, des voyages de cartes et ils auront un souvenir de deux cartes complètement ordinaires. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc vous avez vu, c'est quand même une routine qui est quand même assez intéressante, qui est faisable dans n'importe quelle condition, puisqu'on a besoin juste ou soit d'un tapis, ou même en condition debout. Hein. Donc franchement, c'est intéressant, on peut faire ça même à 360 degrés. C'est que du bonheur. Voilà, donc ça c'était une routine, enfin du moins une idée de Gauthier Baugier. Voilà, au moins comme ça je l'aurais cité plusieurs fois. Allez, à bientôt.